Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Avatar Frontier of Pandora, épisode 3. L'action va commencer apparemment dans cet épisode, par la neutralisation d'une tour pneumatique et d'autres petites choses qui commencent à être fort intéressantes aussi. Donc je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo, ou peut-être lors de cet épisode, si jamais je vois quelque chose à dire. Bon visionnage! Hé, hey, Priya, je suis près du site de forage. Le sol ici est... Chaque fois que la RDA s'installe, c'est la même chose. Leur équipement pollue tout ce qu'il y a autour. Tout. Mais Pandora est forte. Arrête-moi ces foreuses et la nature se remettra. Attends, j'étudie les plans. Tu les as ? Avoir bossé à la RDA a ses avantages. Je rigole. Et ils sont pas sympas. Et l'équipe de la RDA. Alors, on va pouvoir saboter le site sans avoir à les affronter, si tu préfères. Sauf s'ils te voient faire, bien sûr.
pluie. C'est la vie. Par ici. Je change de position.
bloqué. Allez, reprenons ce truc tout de suite. Je sais que t'es là. J'ai détruit les foreuses. On est tranquille pour un moment. Alors, on a trouvé quelque chose là-haut. Une sorte de grosse fleur. Les autres sont excités, mais je sais pas trop. Tu peux venir voir ? Tu approches ? Tu vois les papillons ? Enfin, je crois que ce sont des papillons. Suis-les pour le trouver.
magnifique. Viens, approche-toi. Là-haut, vite, dépêche-toi. Cette fleur s'ouvre uniquement pour les Sarentu. Ils se connectent à Ewa. Après tant d'années... Ewa, j'en ai tellement rêvé. Vous êtes sûr qu'on doit faire ça? Ça m'a l'air bizarre. C'est parce que t'en as jamais vu avant. Pandora n'est pas faite de câbles et de métal. Ouais, mais... Tu crois pas que c'est peut-être toxique? Enfin, je veux dire... Cette couleur, ça doit vouloir dire que c'est... toxique. Ewa ne nous ferait aucun mal. Merci, on m'a dit de me méfier, d'Ewa. On va se connecter ensemble, d'accord? En même temps. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la marque que j'ai faite. Oh, tu me reconnais, mon enfant? Je suis Entu, l'ancêtre. Oui, le premier de ton clan. Les Sarentu parcourent Pandora. Nos histoires tissent des liens avec les autres clans. Tu es nouvelle, n'est-ce pas? Dans ce monde, connecte-toi au Tarsiu quand tu as besoin de la sagesse de tes ancêtres et tu rayonneras. Mais avant tout, tu dois apprendre à survivre. La première fois que j'ai vu Pandora, c'est comme la première fois que j'ai regardé l'océan. J'ai vu une immense étendue. Jamais la même, toujours en mouvement. Mais tu peux la traverser pour voyager au loin. Ou bien tu peux venir t'y noyer. Pour survivre sur Pandora, tu dois apprendre à te déplacer comme les vagues. À bondir, à glisser. À évoluer avec la même énergie. Fais en sorte de suivre le courant et vis. La mémoire des guerriers Sarentu t'octroie la capacité d'arracher tes ennemis des carapaces dans lesquelles ils combattent. Lorsque tu dois te battre, exploite le moindre avantage pour l'emporter. Notre ancêtre, un vrai Sarentu. Vous pensez qu'il sait qu'on est... différent des autres Na'vi? Je ne pense pas qu'on le soit. Nous n'avons pas grandi dans un clan. Nous n'avons pas entendu nos chansons, ni nos histoires. Seulement appris de ceux qui viennent du ciel. La mort, la destruction, la haine. Mais on fait toujours partie d'Ewa, non? Mère sœur dit qu'Ewa fait souffrir. Qu'elle assombrit nos cœurs et nos esprits. Qu'elle nous manipule et... qu'elle nous ment.
Il voulait qu'on soit effrayés, pour nous faire taire, et pour nous contrôler. Voilà ce qu'est la vie d'un Salentou. Cette connexion à la Grande Mère. Je suis en route vers le QG. J'arrive bientôt. Oh, super! Thank you.
Ardmore est furieuse. Comment tu sais? J'ai capté son signal radio. Jake a détruit un autre train de la RDA. Ardmore va mettre les bouchées doubles. J'espère qu'il est prêt. Ouais, ça doit pas être facile là-bas. Regarde-moi ça. C'est... tu vois où... nous contrôlons la qualité de l'air dans toute la frontière occidentale, ici et dans nos labos. Ça s'est vraiment amélioré depuis la destruction du site de forage. Nous étudions les effets pour essayer de les contrer, en repoussant la RDA si possible. Ouais. Sinon, ils vont massacrer cet endroit. Comme chez nous. La Terre ? Alma nous en a parlé. Elle t'a raconté toute l'histoire ? Notre planète, c'est fini. Elle se meurt. Parce qu'on ne s'est pas battu pour la protéger. Et maintenant, on se bat pour la vôtre. On va changer la donne, ici, ensemble. Oh, cela qu'espérait de voir aussi. Je lui ai promis de pas oublier. Dis-lui que j'ai pas oublié. C'est chouette de te voir. J'espère que les Sarentou resteront dans le coin. Tu as assuré là-bas. Les humains t'ont aussi enseigné leurs armes ? Non. J'ai vu la RDA massacrer mon clan. Leurs balles déchiqueter leurs corps. Ils m'ont appris comme ça. Je sais ce que ça fait d'être parmi les derniers des siens. Les humains. Ils sont comme leurs armes. Ils n'infligent que souffrance. Mais tes amis faisaient partie de la RDA ? Et je ne compte pas les laisser oublier. Mais ce n'est pas leur guerre. Ils se battent pour le souvenir de leur terre, mais nous, nous défendons la nôtre. Mercer a finalement eu ce qu'il voulait. Il a fait de nous des soldats. Tu n'es pas leur création. Tu es Na'vi. Tu apprendras ce que ça veut dire, avec le temps. En commençant par ça, je l'ai fait pour toi. Un collier de vie ? Comme celui de ma mère. Tous les Na'vi en portent un. C'est le récit de ta vie que les autres verront, pour que tu n'oublies pas. Le sien avait plus de perles. Chaque perle représente un grand moment pour son porteur. Je t'en ai mis une, pour l'instant, pour commémorer tes premiers pas vers la liberté. Complète-le, fabrique tes propres souvenirs, ajoute des chants à ton cœur. J'espère que nous y arriverons. Rinella veut vraiment savoir ce que signifie être Sarentou. Mais devant le Tarsio, Nor semblait confus, perturbé. Eywa nous montre qui nous sommes, qui nous pouvons être. Mais elle nous rappelle ce qui a été perdu. Pour ton peuple, il s'agit d'un lourd fardeau. La sortie arrière est un peu cachée. Il y est peut-être. Tu as hâte de découvrir la vraie Pandora ? La ferraille peut toujours être utile, si tu sais ce que tu fais. Et voilà les compétences des ancêtres qui arrivent, et ainsi que les points de compétences classiques. Ce qui nous fait arriver sur la fin de cette vidéo, qui commence à être passionnant là, histoire. Je sais pas si vous ça vous passionne aussi, mais c'est vraiment très très sympa.
Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si cela vous fait plaisir, un petit commentaire, ça me le ferait moi aussi. Et ça soutient. Et moi je vous dis à plus.